Hello mes poulettes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle idée coiffure qui soit super facile et rapide à faire pour cet été. En fait, vous allez voir, nous allons juste habiller votre cul de cheval avec un nœud papillon. En plus, vous n'avez pas besoin d'avoir les cheveux longs. Si vous avez rien que pour faire une mini queue de cheval qui arrive là, ce sera nickel. Vous allez avoir besoin de deux petits élastiques dans cet esprit-là, que vous trouvez partout, mais surtout chez Claire's. Vous pourrez trouver des multicolores ou même la couleur de vos cheveux, ce qui est plutôt pas mal pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis une petite pince, une petite épingle à chignon. Donc moi, comme d'hab, je vais mettre à gauche. Et on va prendre à peu près, en fait, derrière l'oreille, une petite mèche qui fasse, je sais pas, vous voyez. Hop là, à peu près gros comme ça. Vous la réservez et vous vous faites une queue de cheval avec tout le reste. Oh, trop mignon. On dirait que j'ai deux moustaches. Voilà. Comme ça. Et vous allez faire un retournement en fait dans votre queue de cheval. Donc vous allez placer votre index et votre pouce ici, là, dans cette zone, par en dessous. Ensuite, choper le bout de votre mèche et la ramener dans l'intérieur. Je vous montre. Hop. Donc voici de près ce que ça devrait donner. Et avec cette mèche que vous aviez réservée, vous allez commencer à travailler à l'endroit en fait où, vous voyez, quand je rabats la petite mèche, ça arrive grosso modo sur votre début de queue de cheval. Donc le faites pas ici, mais le faites pas ici non plus. On fait un tour, deux tours, un troisième tour où, regardez, je sors juste comme un espèce de pétale. Je vais faire plusieurs tours comme ceci avec mon élastique pour que ça écrase bien, comment dire, pour que cette chose-là ne bouge pas. Vous faites un deuxième pétale. Donc dans le même esprit, hop, on sort un petit bout. Et on tourne son élastique. Voilà. Et ensuite, vous finissez votre élastique sur cette chose-là. Voilà. Une fois que vous avez terminé votre nœud, vous n'avez plus qu'à le fixer avec une petite pince à chignon pour pas qu'il bouge. Alors que je vous montre ça bien dans la lumière, voici ce que vous devriez obtenir à la sortie. Voilà. Et voilà, c'est déjà terminé. Et ben ouais, je vous avais prévenu, c'est super rapide et super facile à faire. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu comme petite idée. Moi, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Mouah.